Commandant, nous contrôlons les satellites. Beau travail, agent. Le Moffrait a informé l'amiral que l'opération Cendre peut se mettre en marche. Attention, attention. Des vaisseaux rebelles ont pénétré l'espace de... Protéger ce destroyer stellaire. Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le gameplay commenté de Star Wars Battlefront 2 sur PlayStation 4. Donc là voilà, on démarre en plein milieu d'une mission du mode campagne. Le jeu est édité par EA, développé par DICE et Criterion Games, sorti officiel le 17 novembre 2017 et Peggy nous le déconseille au moins de 16 ans. Note de 14 sur 20, un point de moins sur la moyenne par rapport à son prédécesseur. Bizarrement, je ne comprends pas trop la notation de tous ces divers sites communautaires de jeux vidéo. Je vais vous expliquer mon ressenti durant ce gameplay. On attaque de suite donc du coup avec une phase vaisseau spatial, tout simplement parce que nous incarnons le commandant Iden Versio, une des commandants de l'Empire, qui est de base reconnue pour ses talents de pilote. Le solo est divisé en 12 chapitres, chapitres qui sont quand même amorcés avec une sorte de fondu enchaîné. Franchement, on ne voit pas les chapitres passer, ça se déroule et on continue comme si de rien n'était. On a l'impression d'avoir un mode campagne sans réel temps de chargement entre les phases, ce qui est plutôt sympa. Le côté immersif du coup reste et on n'est pas coupé dans notre élan, donc c'est un point assez positif. Le solo est quand même vachement avancé et c'est un gros point fort pour ce nouvel opus, réellement. On avait peur que le jeu soit du copyright de son prédécesseur, et bon, on n'a pas tort sur ce sujet, mais on viendra sur le mode online plus tard. Donc là voilà, mon but est de protéger notre croiseur et j'ai divers objectifs comme vous pouvez le voir marqués sur la map. En bas à droite vous avez les atouts et passifs du chasseur Tai que je pilote. Défendre l'agent Ask. Donc Ask, il s'agit d'un des deux IA qui va m'accompagner. Ask et Meko, ce sont deux pilotes, deux IA que l'on va devoir se coltiner durant tout le solo. Et c'est assez sympa parce que on va avoir affaire aussi à leur histoire en fait. Non pas qu'on va les incarner, mais on va être amené à les suivre une fois qu'ils seront séparés et nous pourrons rencontrer diverses personnes qui ont incarné et forgé le lore de la saga Star Wars. Dans le solo, attendez-vous à rencontrer des personnages emblématiques comme Luke Skywalker ou même Kylo Ren. Pour vous citer chronologiquement parlant, la campagne se déroule entre The Return of the Jedi et The Force Awakens, Star Wars 6 et 7 si vous préférez. Il se déroule sur une petite trentaine d'années, ce qui est quand même assez conséquent. On sent que EA a voulu, en compagnie de DICE, respecter à peu près l'histoire qu'a donné maintenant Disney à Star Wars. Ouais, putain, qu'est-ce que ça me fait mal. Gros puriste sur les bords, hein. Désolé, je risque un petit peu de bâcher le scénar, moi qui suis un grand fan de Star Wars 1 à 6. Et pour moi, seul Rogue One tient la route, quoi. Voilà, maintenant vous savez à quoi vous attendre. Du coup, voilà, le jeu parle de lui-même, franchement, sacrément beau, vraiment. Là, niveau graph, on se fout pas de la gueule, quoi, des joueurs. Et c'est d'ailleurs le graphique qui lui a vraiment offert son quota de points. Merde, il va falloir que je détruise ces différentes entrées. On s'est tiré de partout, franchement, c'est assez ouf, quoi. Le taille est quand même assez facile à gérer, la maniabilité est un petit peu plus poussée sur le point de la. La maniabilité est beaucoup plus. Elle est jouable, quoi. Franchement, on sent que la prise en main est beaucoup plus conséquente, c'est beaucoup plus simple. L'adhérence, tout ça, c'est vraiment des points. Oh merde, pas faire de leur zone. On sent vraiment que ça a été retravaillé pour. Que la malléabilité des véhicules soit prise en main facile pour tout type de joueurs, que vous soyez pro ou néophyte en la matière. Durant le mode solo,
Vous allez donc bien sûr pas faire que du combat galactique. Du coup, il va y avoir aussi des phases où est-ce que vous allez pouvoir incarner le cher commandant Eden. Du mode FPS et TPS vous est proposé si vous restez appuyé sur la touche bas de votre manette. Vous pourrez aussi incarner son petit drone qu'elle porte sur son dos. Et à chaque fois que vous devrez l'incarner, vous aurez des phases d'infiltration. Il ne faudra pas vous faire repérer par les autres car vous n'avez que 75 pauvres points de vie quand vous incarnez votre petit robot. Du coup, on passe dans une phase infiltration qui change complètement la donne et le style du jeu. Et ça, c'est vachement stylé. Voilà, quand je parle de TPS, vous voyez ce qu'on vous offre, vous avez la caméra embarquée par-dessus l'épaule, et merde, j'ai des grenades ioniques, et je n'aime pas ça. Il me tarde d'aller sur un package pour pouvoir me changer mes atouts. Donc voilà, le switch au TPS et FPS est assez facile, vous voyez. Je dispose donc du coup d'un radar, d'une bombe électrique, et d'un fusil à pompe timé, pour pouvoir faire des dégâts. Le petit drone, utilisons-le, voilà, c'est celui-là que vous pourrez incarner de temps en temps et avoir des phases d'infiltration. Non, franchement, c'est vraiment ouf. Les musiques sont géniales, le ragdoll des personnages est très justifié. C'est... non, vraiment, on a l'impression que... c'est un jeu qui est réellement abouti, on ne le sort pas vraiment. Certes, même si c'est bourré de DLC et tout ce que vous voulez. J'ai un peu trop avancé. Aïe, aïe, aïe. Oh, bordel, c'était sûr. Non voilà, le jeu est développé et on l'a terminé. Certes, quelques problèmes de serveur, bon après c'est Day One. Alors, voilà, des fois certains lags en online surtout à relever. Alors on va garder la grenade, c'était beaucoup mieux que cette espèce de charge à la con là. Mm-hmm. Donc les cartes, voilà, ça c'est un nouveau mode, enfin bon, ça on l'avait directement dans le 1 pour se donner aussi du passif et des atouts qui pouvaient être modifiés pour le personnage que vous pouviez incarner dans le mode online. Je me fais sacrément déchirer la gueule. Hop, voilà, changer la caméra, c'est R3, enfin changer l'angle, l'épaule de la caméra. Et donc cette fois-ci, dans le mode online, vous aurez des packages à ouvrir qui vous permettra du coup de modifier votre personnage, de lui faire gagner des niveaux de puissance en fait. Voilà, plus vous avez de cartes débloquées, plus votre personnage peut faire la diff. Donc on pourrait penser que c'est du pay to win, et dans certains cas, malheureusement, oui. Certains atouts que vous allez équiper sur votre personnage, vous pouvez tomber contre votre vis-à-vis, par exemple, admettons, même si ce n'est pas possible, un Boba Fett qui rencontre un Boba Fett, bah, admettons, si l'un a un régime de santé amélioré, bah, clairement, oui, qu'il a... Qu'il aura l'avantage sur son adversaire, ça c'est sûr. Hop, voilà. Appuyez sur R2 au bon moment pour... par exemple, là, voilà, j'ai appuyé sur R2. Cette barre jaune me permet que mon blaster ne surchauffe pas pendant que je tire. Jusqu'à que cette barre soit complètement vide. Du coup, après, bon... Je m'attarderai brièvement sur le mode online. Je ne pense pas faire un test sur le mode online car... bah, tout simplement... On en voit trop du mode online, je ne sais pas encore. Oh, qu'est-ce que c'était ça? C'est une tourelle. Alors on va la mettre là. Ouais, elle est censée protéger, mais elle va pas être bien ici. Enfin, je sais pas. On verra en fonction du temps qui me reste. Ah oui, me la faire détruire, ça m'a enlevé grave de la vie. Ouais, j'aurais jamais dû faire ça en fait. Eh ben génial, déjà deux fois que je suis mort. En parlant de mort, bah, de difficulté, vous avez donc du coup les modes de difficulté basiques qui s'appliquent. Je suis en normal, il me semble, donc vous pouvez voir à peu près à quoi cela s'apparente. Mais après, c'est assez cool de pouvoir jouer un personnage qui fait partie du clan des antagonistes de la saga. Jouer l'Empire, c'est assez stylé. Après, vous aurez différents clans qui imposent, qui représentent l'Empire. Vous aurez les séparatistes, le Premier Ordre. Franchement, ça touche absolument à tout, et ce Star Wars Battlefront 2 essaie de mettre en place vraiment toutes les épopées et trames scénaristiques que l'on a pu avoir à faire dans les films, livres. Et on sent que, bon voilà, on a voulu toucher la corde sensible des puristes en se disant « Voilà, il y a de ci, de ça. » Mais en même temps, on touche un petit peu à tout pour essayer de faire plaisir à tout le monde et on essaie de faire une sorte de dream story où est-ce que tout le monde peut se rencontrer. Alors que, voilà, vous allez avoir des personnes, par exemple, dans le mode online qui ne peuvent se rencontrer parce qu'ils sont déjà morts. Dark Maul, maintenant, peut être incarné et joué dans Star Wars Battlefront 2. Voilà, enfin, vous pouvez vous retrouver aux côtés de Kylo Ren. Ça fait un petit peu longtemps qu'il a fini,
qu'il a fini en Twix au fond d'une cuve, quoi, Dark Maul. Mais bon, en plus, son gameplay est ultra stylé. Non, franchement, je le répète, très très beau, les musiques sont vraiment géniales, les effets sont fous. 14 sur 20 pour moi, je trouve que c'est une bonne note, mais le 1 méritait un petit peu moins. Je me demande pourquoi le 1 a eu 15, parce que pour moi, le 1 ne représentait réellement pas une annotation de 15 sur 20. Après, le jeu a quand même été bien modifié et on nous offre beaucoup de choses. Comme je vous l'ai dit, des lieux, on est passé de 4 lieux jouables du 1 à 18, de 6-0 jouables à 14, des véhicules, on en avait 11, on en a 39 maintenant. On sent que c'est beaucoup plus poussé, mais est-ce que ça vaut toujours 70€ pour l'achat d'un jeu console? Je parle que pour moi, hein, pour la console. Non, je ne pense pas que le jeu vaille encore 70 balles. Peut-être qu'une baisse de prix serait méritée avant de pouvoir vous y attarder. Clairement, si après vous êtes fan de Star Wars, foncez. Clairement, vous ne serez pas déçu pour autant. En tout cas, il a bien moins de quoi décevoir que son premier, que le premier Battlefront, clairement. Après, c'est vrai qu'il a été très très mal accueilli par la critique parce que Star Wars s'appelle Battlefront. Et nous étions... hypé par les anciens Battlefront, moi que j'avais connu sur PlayStation 2 ou même joué sur PC. Voilà, c'est sûr que Star Wars aurait pu s'appeler Star Wars Battlefield, c'était limite pareil quoi, parce qu'il ressemble plus à un Battlefield sur le online que sur un Battlefront. Après, c'est vrai que l'ajout de ce solo ajoute un gros vent de fraîcheur et beaucoup de nouveautés, et c'est bien mieux, clairement. Poser un explosif. Ah, il me reste celui du milieu. C'est génial. Donc voilà, au moins j'ai pu vous montrer au moins une phase un peu gameplay interstellaire vaisseau et un peu de TPS FPS. J'ai essayé de switcher pour vous montrer un petit peu ce qui pourrait vous attendre dans le solo. Exactement comme prévu. Ah ouais, absolument. Ouh, ça va être chiant. Ça va être très chaud. Enfin bon, non, après vu le temps, je pense que je vais faire un petit peu de online. Allez, comme ça on va un petit peu tout montrer. Je scinde du coup la vidéo, on arrête le spoil, je vous dis à de suite. Alors les gens, autant j'aurais pu m'attarder sur une mission complète du mode solo, 12 missions qui vous attendent pour entre 25 minutes. Toi tu vas tellement morfler. Les missions les plus courtes mettent entre 12 à 15 minutes si vous les rushez, jusqu'à 35 minutes si vous prenez votre temps, donc j'aurais pu m'attarder sur une mission solo. Mais le mode online, je le prends en plein milieu. Parce que déjà, j'incarne un héros, j'incarne Dark Maul qui ne pouvait pas être incarné donc du coup dans Battlefront 1, donc voilà, c'était histoire de vous montrer un peu de nouveauté. Et déjà parce que... Oh putain, il y a Yoda! Et déjà parce que j'ai dû faire déjà une bonne vingtaine de kills avec Maul. Et que les parties online, toi, oh yes, c'est bon, il a été pris par la force. Oh, il lui a mis une espèce de roquette, l'autre. Oh là là, j'ai niqué Yoda, magnifique. Ah là là, le mixtape de Mimimati et de Hulk a succombé. Magnifique. Donc voilà, une vingtaine de kills déjà fait, et puis les modes online peuvent durer très 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 longtemps. Ah là là, putain, certaines lags, franchement, c'est toujours présent. Oh putain, mais il y en a deux. Oula, attendez. Bon, parce que, autant ça a peu de vie, ces machins, mais ça fait très très mal. Ok, lui, il a été détruit, il en reste plus qu'un. Non, franchement, Dark Maul, c'est un truc de fou, il va partout, il va très vite, il est... Mais après, bon, c'est un héros, donc déjà, il est un peu sac à PV et à la fois un peu squishy, parce que la vie des héros, ça descend très très vite. Si on ne sait pas les manier, c'est souvent, vous faites votre petit dégât et puis vite, vous devez aller vous cacher pour que votre vie puisse se régénérer. Vous pouvez prendre certains dégâts, et je crois que vous avez environ 150 PV à prendre avant que votre véritable barre de vie ne baisse. Là, vous voyez, par exemple, je suis à 337 PV, j'attends un peu. Et je vais revenir à ma vie principale en fait. Voilà, dégage. Voilà, 498, il me semble que j'étais, oui, à quasiment 500 juste avant de prendre des dégâts. Donc voilà, tant qu'on n'a pas pris réellement... Non, je crois que c'est 200 PV. Je sais pas, faut qu'on prenne un peu de dégâts dans la gueule avant que la véritable vie s'abaisse. Oh là 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 là. J'imagine même pas la peur que vous devez avoir, vous savez, vous êtes joueur, vous allez dans les égouts et là vous voyez Dark Maul qui ressort. C'est génial. C'est une folie. Ok, il nous reste 32 éliminations à faire et nous aurons gagné.
Donc voilà, autant j'aurais pu vous montrer de la phase TPS, FPS dans le mode online, mais clairement, on en voit partout dans toutes les vidéos, j'étais pas parti de base pour vous faire un petit gameplay commenté sur le mode online, mais bon, pour Dark Maul, on va faire un petit effort. Bon, après, de base, du côté... Oh là là, putain, c'est lag, c'est une horreur. Du côté obscur, bon, généralement, moi, je suis un grand fan de Boba Fett, donc c'est lui que je prends principalement, et du côté des rebelles, je prends Han Solo. Je prends beaucoup de joueurs qui vont faire plus du tir à distance. Mais bon, là, c'est vrai que bon, Dark Maul... Kylo Ren aussi est fou, même si, bon, moi, j'aime pas du tout ce personnage. Je vous l'ai dit, je suis un puriste. Moi, pour moi, Kylo Ren... Non. Moi, je suis encore calqué dans les livres où est-ce que Han Solo a eu 3 enfants, dont 2 décédés. J'ai suivi la trame des livres Star Wars où est-ce que Luke Skywalker devient normalement un Sith. Et c'est la fille qu'il a avec... Oh putain, je me rappelle plus comment elle s'appelle cette meuf, Skywalker. La rousse là, une des Jedi aussi. Il a une fille du coup qui devra après le combattre pendant qu'il est Sith. En fait, je me demande si c'est pas en gros un espèce de spoil parallèle que je suis en train de vous faire, parce que, à vrai dire, si la fille de Star Wars 7 est réellement sa fille, est-ce qu'elle devra le combattre? Est-ce que Luke deviendra un Sith comme c'était dit dans les livres? Parce que là, tout ce qui se passe là, Kylo Ren, fils de Han Solo, c'est complètement faux. Hein. Oh là là, il y a Papa Vador. Oh, il y a papa. Oh, ça va être génial. Putain, je me suis toujours demandé ce que ça aurait pu faire un duo Dark Maul, Dark Vador. Eh bien, on va le voir ensemble, les amis. Il reste 17 kills à faire. On va faire une espèce de carnage. Oh là là, c'est une folie. Donc oui, il peut y avoir plusieurs héros. Avant, on était limité qu'à un seul héros. Et il fallait forcément en buter le héros adverse pour que l'adversaire qui avait généré assez de points puisse en invoquer un autre. Là, on peut cumuler des héros des deux côtés. Et ça devient un bordel monstre. Ce qui fait que des fois, une team a complètement l'avantage sur une autre. Vous prenez un ascendant phénoménal. Oula, toi reviens là. Oh là, c'est une folie. Il y en a certains qui font des esquives, on sent que ce sont des mecs qui avaient l'habitude, comme lui là. Voilà, on sent qu'il avait peut-être l'habitude de jouer des héros et qu'il sait que la touche rond pour faire des esquives, c'est mieux pour pouvoir esquiver les attaques des héros de Star Wars. Toi, tu vas dégager. Bon, des fois, il est un peu dur à manier parce que des fois, il pète des câbles, il va en haut. Enfin, il va trop loin. Oh, il y a beaucoup de monde. Oh oui, la force, c'est un x3, magnifique! Oh, c'est un truc de fou. Vraiment, non, franchement, après, bon, il est kiffant, mais ça reste un Star Wars Online, donc en même temps, voilà, mais c'est plus inspiré à la Battlefield que... qu'un véritable Battlefront, ça, c'est sûr. Oh là là, ce dégât qu'on met. Je me reprends un peu de vie. Voilà, de toute façon, ça y est, c'est gagné. Et on a gagné. Voilà, bon, ben, au moins, je vous aurais montré un petit peu de tout. Sur ce, du coup, je vais m'arrêter là. J'espère du coup que ce gameplay commenté d'une brève partie du mode solo et d'une brève partie du mode online de Star Wars Battlefront 2 vous aura plu. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien, à très bientôt tout le monde, et à ciao !